Alors, bonjour. Premier match de ma saison sur RTSL. Et je crois que ça doit faire le cinquième match d'affilée que je joue les Soviétiques. J'en ai un peu marre là. Je vais pas mentir. Putain, elle est foireuse cette main en plus avec deux scoring. Alors, socialiste, middle east, Europe, spécial. Donc clairement, je peux pas me permettre de jouer les deux à la fois, même si c'est tentant de l'avoir en Europe. Donc une joueuse qui est classée numéro 10 mondiale, je crois. Ça a tout du match piège pour elle sur le papier, mais... Yuen... Ouais, allez. Défecteur, ben voilà. Mieux faire. Pas d'accès, ouais, c'est pas une super main quand même. Trop de scoring, c'est quand même relou. US Japan, super. Un, deux, trois, quatre, on peut la faire comme ça. Ou... C'est un peu défensif, mais bon. Faut que je me démarche du scoring rapidement, en fait. Ensuite, j'ai spécial éventuellement pour l'espace. Middle East, spécial dans l'espace. Cambridge et Marshall, ouais. C'est pas incroyable, mais. Blockade. Destal. De Gaulle, ok. Donc elle pourra pas se débarrasser de Destal si facilement. Très bien. Un, deux, trois, quatre, je dirais. Olympique. Ouais. Spécial dans l'espace ou pas? Non, pas forcément. Comécon, j'aurais peut-être dû prendre le Liban. Ouais, j'ai joué un peu vite, j'aurais dû prendre le Liban. Petite erreur là. Enfin bon, après ça a scoré, mais malgré tout. Warsaw, elle a une meilleure main que moi. Ok, c'est bien, elle le prend pas. Un, deux.
Donc le Liban et la Corée du Sud. C'est bien comme ça, un frein cible pour le coup d'État. Bon, premier tour assez moyen quand même. Après, elle avait une meilleure main que moi, dans l'ensemble. Et de scoring, c'est pas aisé. Et encore, je m'en tire bien avec l'Europe Defectors. Vietnam, ok. Non, ça c'est dommage. Alors, capture, donc j'ai Favier plane. Ça pue la destale, mais je peux pas faire. Ça pue que je raconte le destal. Non, pas du tout le destal. Par contre, il n'y a pas d'effectors, donc je peux vraiment faire destal en headline. Et s'ils veulent me faire edgecar, tant pis. Ok, et donc on va faire là, là, là et là. Ça me paraît pas mal. Nucléaire, captured, East, Duck. Donc c'est une bonne joueuse, mais qui est extrêmement bien classée, je pense. Et moi, paradoxalement, dernièrement, vu que je viens de perdre un match contre un joueur qui n'était pas très bien classé à tort d'ailleurs. Ah, là par exemple, je suis pas convaincu que j'aurais fait ça moi. Après c'est personnel, mais c'est vrai qu'il reste que l'Asie à scorer par contre, mais bon, l'Asie elle peut pas l'avoir. Pas non plus avoir ça. Je vais garder Favier plane. Donc je vais space et duck. Capture, il faut que je vois. Ouais, en fait, putain, j'ai une main de merde en termes d'ops. Ouais, du coup, non, je vais pas garder Favier plane forcément. J'ai plutôt space et duck. Utiliser Favier plane avec captured. Norad. Ok, si tu veux. Dans tous les cas, moi je dois faire ça, donc autant le faire maintenant. Est-ce que j'utilise Capture? Non, c'est qu'une opération, autant que j'ai pas envie qu'elle l'ait. L'Asie, ok, ça change rien pour moi. J'aurais difficilement pu l'avoir. Duck. 1, 3, 1. Coréen noir dans l'espace, ok. Donc je peux respacer, mais je vais pas le faire, il n'y a pas trop de raison. On va faire. Hop là.
On va préparer le futur truc. Et ensuite deux cartes à 3. Moi, je pense que c'est un mec qui me tape Red Scare. Neito. Ah non. Franchement, elle mérite pas de le réussir, je trouve là. Oh putain, elle a eu de la chance. Hein. C'était. C'est quand même un coup hyper spéculatif ce qu'elle a fait. Je trouve que c'est un gâchis pour le coup. Elle aurait pu prendre la Libye, elle aurait pu essayer en Arabie Saoudite. Après, c'est vrai qu'elle manque un peu d'endroits où elle est, c'est vrai, mais elle aurait pu prendre le Panama et le Mexique. Enfin. Oh putain, elle a énormément de matchs en fait. Avec un gros rating. De... En fait, elle est arrivée tardivement sur les tournois, mais elle a beaucoup joué Formosa, ok. Ouais, ça, je m'y attendais. On va la jouer comme ça. En plus, elle s'est débarrassée de Seiya, c'est très bien pour moi. Donc il va rester Décolle, par contre, c'est chiant que Décolle va pas revenir. Indopaki, elle l'avait, donc c'est pour ça aussi que je voulais pas aller en Inde. Ouais, mais moi ça me va, j'ai la cible parfaite pour un coup d'état en plus avec ça. Ça me va très bien, moi. Donc, tu as Truman Doctrine, merde, il y a l'Europe. Du coup, je vais devoir jouer Suez, hélas. Elle a la décolle, ça c'est chiant. Elle a la décolle. Moi j'ai su. Elle a containment. Elle a une dépendante red. Moi j'ai Red Scare, Suez fidèle. Et les redraws sont assez bof. Containment, je m'en doutais. Alors, lequel des deux je fais? Est-ce que je fais les opérations militaires? Ça va faire mal, mais... En même temps, c'est quand même important. Sinon, c'est deux pays dans le cul. Longtemps, je pense que c'est plus important. Peut-être que j'aurais dû en effet aller aux Zaïre. Ah bah carrément. Eh hey, merde, en plus j'ai plus la Yougoslavie. Elle a quand même une main un peu relou sur certains points, donc peut-être que ça peut se négocier. Elle sait qu'elle a Truman. Formosan. Ok. Oula.
Alors, reprenons. Qu'est-ce que je savais qu'elle avait? Fait chier. Fait chier, je me suis gouré sur mon suivi des cartes. Qu'est-ce que je sais qu'elle a? Ah, je sais qu'elle a des cols et puis c'est tout. Hein. On va pas. Je sais qu'elle a des cols et je sais qu'elle a Truman. Et Independent 13 aussi. Et Independent 13. Elle a une carte à 3, il y a toutes les chances quand même. Hein. Mais en même temps, je connais l'essentiel de sa main, donc c'est possible qu'elle n'en ait pas. Mais il suffit de. Ouais, ça va être chaud quand même. Il lui suffit de prendre un seul pays et elle est bien. J'adore la jouer, la putain d'Europe. Hélas. Mais sinon, on peut faire ça. Ah, mais non, même pas. Ouais, j'aime bien ça. J'aurais dû laisser un gola, je sais pas. Donc elle a décolle, Truman, et je crois que c'est tout pour ce que je connais de sa main. Et en remove, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que c'est ça? Non, normal. Il va jouer la panne, ok. Ah bah ça me va. Un, deux, trois, quatre. Elle avait une bonne main également à ce tour-ci. Je pense quand même qu'elle est devant. Ouais, putain, elle avait vraiment une grosse main. Bah, je me suis tapé une 2 swing sur 3, mais ça va, je garde mes chances quand même, je pense, Truman. L'Europe. Donc moi j'ai Fidèle et Romanian. Et elle décolle. Il va falloir que je space rapidement en plus. Cette main, c'est pas ouf. Je pense qu'on va faire Quagmire.
Effector, super. Ça ou le... ou la Libye. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je... c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, un peu compliqué cette partie. Donc, il va falloir que je space. Usuri, Nixon, ouais, il va falloir que je space rapidement. Et que je joue Nixon rapidement aussi. Et Wilburio. 4, 5, 6, 7, ok. Donc je space Isuri, je joue Nixon. Fidèle pour l'événement, bien sûr. Saharan, Cameroun pour prendre le Nigeria. Fireplan, fantastique. Alors lui, elle va prendre... Ouf, ça fait mal, mais je peux rien faire. Putain, je vais encore me faire niquer comme ça par un truc où j'ai un bon board, mais où... c'est possible en plus, hein. Il faut que je space, bordel, il faut que je space. Qu'elle ait pas tous les trucs de points de victoire. Il faut que je space, il faut que je fasse fidèle. UN, ok. Socialiste. Oh putain, j'ai pas de chance, bordel. Mes jets de dés sont pas terribles en plus, hein. Excepté un coup sur l'Angola, dans les faits, j'ai pas eu de bons jets de dés. Nucléaire Death Ban, fantastique. Ok, mais... ah, je vois bien, mais... je sais pas si... c'est un peu tard quand même pour le jouer, non. Quoique, elle peut me faire 3 coups d'état, ça peut faire très mal. Et en plus, il n'y a pas grand chose que je puisse faire. Voilà, je vais comme ça. Ça commence vraiment à être tendu là. Mais en même temps, toutes mes scorings ne sont pas passées. À partir du moment où elles vont passer, ça va faire plus mal. Que c'est pas qu'elle va pas avoir genre l'Amérique du Sud. On va finir par fidèle. Je suis blasé, je peux pas faire grand chose dans cette partie, c'est un peu bête couille en même temps. Ma main de roi était pas mal, mais ouais, j'ai toujours été pourri par les scoring en fait. Trop de scoring. Et timing de merde surtout. OPEC, U2, Flower Power, East Open and Rest. Sérieusement, East Open and Rest. Si tu veux. OPEC, Flower Power. Je suis pas sûr que j'aurais fait ça à sa place, mais.
n'a pas les mêmes dés. De la chatte sur ces coups d'état, ça me saoule, bordel. Ça, très clairement. Vietnam. Libération, si ça peut être important. Libération. Mythe. J'ai encore une main de merde, hein. J'ai encore une main avec des opérations assez faibles. Bon, Marshall, ça va. Muslim, ça va. J'ai deux grosses cartes, mais sinon, c'est un peu compliqué. Oh, putain. Ok, en moins, je réussis ça. Loupe ton putain de coup. Il aurait pu prendre une moins bonne carte, mais bon. Bon, elle a pas pris une carte à 4. Sur ça, ça saoule un peu quand même. Bon, il faut que je space là, faut être sérieux quand même. Ça fait un peu mal, mais quand même. Vas-y, ok. L'Amérique du Sud qu'il faut que j'ai. Toujours pas fait de coup, si j'ai fait un coup. Donc il reste le Middle East, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Toutes mes scoring en fait. Ok, bon bah au moins ça me fait un peu de. Spécial, ok.
regarder. Panama, super. C'est quoi le genre de carte qu'on veut pas avoir? Bon, il faut vraiment que j'ai l'Amérique du Sud là. Et qu'elle se tape pas IBM Runta. C'est ultra critique. Ok. Donc est-ce qu'elle peut faire. Elle peut faire IBM et elle peut faire Runta. Et moi qu'est-ce que je peux faire? Moi je peux faire Che. Donc ça date, coréenne. Pas terrible ces coups. Yes, ça c'est important. En espérant qu'elle n'ait pas voulu sa femme America. Un de Paki, Willy, Saous et Sadat. Culture Hall, ok, tu me le donnes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui laisse les deux points ou pas? Pas forcément envie. En vrai, ça sert strictement à rien. On va essayer. Jean-Paul II, ok. Franchement, ça me va. Esknot, ok. Donc, Lone Gunman et quoi d'autre? Lone Gunman, Middle East. Juste pour ça? Oh, bah, ça me va. Franchement, c'est gentil. Ensuite, on va essayer de réaligner un peu le Nigeria. Déjà l'Afrique du Sud, ensuite le Nigeria. Il faut que je joue Sadat rapidement. Est-ce qu'il est là, notre Nasser? Nasser est là, donc je peux jouer Sadat, mais sans trop stresser. Colonial, forcément. Ok, l'Algérie, franchement, vu ce qu'il y a en face. Je suis pas convaincu de la discard qu'elle a faite, je dois dire. C'est personnel, mais. Par contre, il va falloir que je remette un en Pologne. Missile en vie, ok, cool. Je sais que c'est plus un danger. Qui, très bien.
Clan de Hill, ok, si tu veux. Est-ce qu'il y a encore Truman? Truman est dans la discard, non? Ouais, il est dans la discard, donc c'est bon. Maintenant on peut jouer mes sims. Et je garde Corian pour le prochain tour. Bon, c'est pas trop mal. Je me suis pas mal rattrapé, je suis content. Ouais, Genève, bah oui, forcément. Ok, pourquoi pas. Alors, Runta, Nuclear Test Ban, c'est important ça. Qui a Runta qui Nuclear Test Ban? Génial, c'est lequel des deux? Donc, ABM, elle l'a joué. Ah non, mais du coup. Alors, qu'est-ce qu'elle a, elle? Donc, Nasser, ça a été joué. Donc, elle a Voice of America, génial. Elle a Bertrap, c'est moi. Norad, ça a été joué. Five Airplane, est-ce que ça a été joué, Five Airplane? Ouais, ça a été joué. Quand David, ça a été joué. Armrace, je l'ai joué, il me semble. Réfléchissons bien, je peux connaître toute sa main, il faut en profiter, même si ça prend un peu de temps. Est-ce que Armrace a été joué? Il me semble que oui. Hein. Un quoi, peut-être pas. Peut-être pas. Non, c'est Cuban Missile Crisis qui a été joué. Donc, elle a Armrace. Donc, moi, j'ai De Gaulle. Donc, au passage, je peux être jouable. Hein. J'ai De Gaulle. Welcome Econ, ça a été joué. Arabe Israeli, est-ce que ça a été joué, Arabe Israeli? Il me semble que oui, oui, ça a été joué. Donc, elle a quand même eu Runta et Nuclear Test Ban, donc c'est chiant. Elle a Salt. Elle a How I Learn. Moi, j'ai Arm Race. Bear Trap. Duck. Donc elle a OAS et elle a Alliance. Et Norad, c'est moi qui l'ai. Et Red Discard. Donc elle aurait ces cartes là. Donc moi, honnêtement, Missile Envy, c'est assez tentant. Ouais. En espérant qu'elle n'ait pas repioché. Si elle avait repioché, j'ai pris un petit risque, je sais. Mais bon, malgré tout, Nuclear Test Ban, je pense que ça vaut le coup de le mettre. Pas de GG. Est-ce qu'elle a bien Nuclear Test Ban? Merde, elle a pas Nuclear Test Ban, j'ai pris un horrible risque. Bon, fallait plan, ok, tout va bien. Et je sais du coup que c'est sa plus grosse carte. Pas de chance au début malgré tout. Et elle a Voice of America en plus, qui peut être méchant. La salle, toi, est-ce qui va être relou? Elle a des cartes bien reloues là, ce tour-ci. Donc Duck dans l'espace. Est-ce que j'ai pas devoir jouer Bertrap sur moi-même? Ouais, mais bon, j'ai pas envie de jouer Bertrap sur moi-même. Je pense que j'ai joué à China Card surtout. East Open Unrest. Bon, au moins, mieux vaut tour 7 que tout que maintenant. Romanian. Romanian, quelle heure hydro de mer, j'aurais eu beaucoup de cartes à 1. Bertrap, Duck, il se open and rest. C'est quoi la carte qui me manque? Norad. Norad, j'ai pas envie de le jouer non plus. Hein. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je garde ces deux-là. Mais comment j'ai? Non, je peux même pas. Je dois jouer Norad, fais chier. Je dois jouer Norad. Bon, en même temps, ça va lui servir quoi? 3 tours maximum? C'est pas tant que ça. Il y a pire.
Sinon, j'aurais peut-être dû aller au Paraguay au lieu de faire ça. Ouais, je suis con. J'aurais dû aller au Paraguay. De Paraguay à Saran State. Et comme ça, je la menace de ouf sur les alignements. J'aurais dû faire ça. Bon, il n'empêche que je dirais que je suis légèrement en avance. Mais pas tant que ça. L'Afrique, l'Amérique du Sud, ouais. Et là, l'Europe. Je peux finir par De Gaulle aussi. Ça peut lui foutre la pression, c'est un petit De Gaulle à la fin. Et là, Lyons qui peut bien me faire chier. On va falloir que je prenne la Corée. On va pas déconner. Je prends la Corée avec Corée Noire. Ça m'aurait tellement servi une petite décolle pour menacer le Laos, l'Indonésie. Ça aurait été bien. Enfin, je me méfie aussi de l'Europe quand même. Je méfie de Wensum et Steph notamment. L'Europe peut vraiment me faire perdre. Bon, Bertrap, je le joue pas et je joue le reste. Et je space duck and cover. Ouais, on va faire ça. Je vais quand même garder la China card. Trop important de garder la China card en laitoire. Donc elle a Voice, Salt, OAS, Alliance, Savoyland. Et dans la discard, il n'y a rien. Putain, merde, c'est mon tour. Je suis complètement con, moi. Bon, c'est pas grave, 7, 8, 9, 10. Il va falloir être un peu rapide quand même, là, maintenant. Missile ennui. Si tu veux. Si tu veux, franchement. Duck, 1, 2, 3, l'Europe, ah ben voilà, d'autant moins de raison de jouer cette carte, du coup, elle va me saouler avec la Voice of America. Ok. C'est pour qu'elle fait ça. Alliance. Ok, cool. Ça commence à la préserver un peu. Il duck dans l'espace, il s'open un rest et enfin NORAD. Ouais, 5 minutes par tour, on va pas faire vite. Peut-être que j'arrêterai de suivre les cartes à la toute fin. Parce que j'ai pas envie d'avoir que 5 minutes pour le dernier.
Ah putain. Peut pas louper ses jets parfois. Il les réussit beaucoup trop bien. Par quoi elle va finir. Oui, ok, cool. Au moins elle le fait maintenant. Franchement, il n'y a pas une grande différence entre. C'est quoi, c'est 2 points la différence, c'est pas énorme. Je préfère qu'elle le fasse maintenant. Bon, les 2 prochains tours, va falloir que je sois très rapide. Ouais, ça forcément. Oh, très intéressant. Très très intéressant. Un, deux, trois, quatre. Elle a fait grain et elle m'a pris Willy Brandt. Par contre, si je joue Yuan, je vais devoir jouer Bertrap. Mais sinon, Bertrap dans l'espace. Héros Irak, très bien. Absolument que je score ça, je peux pas me permettre de faire un 6, de lui donner un point de victoire. L'Asie, parfait. L'Amérique du Sud. Bon, allez, j'arrête de suivre les cartes parce que ça pourrait me tuer. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que le Middle East, l'Afrique et l'Amérique centrale. L'Amérique centrale, donc, c'est le prochain objectif. Où est-ce qu'on va le mettre le reste?
Bah ça va, il m'a rendu la carte, donc en fait je peux faire UN avec Bertrand, mais fantastique, je vais faire ça. UN avec Bertrand, puis d'école. Commence à sentir bon. Franchement, ça représente aussi. Ça représente potentiellement la victoire également. Je ne peux pas m'avoir juste avec l'Amérique centrale, même si elle me réaligne. Si je pouvais avoir Muslim, ce serait parfait. Même Nasser puis Muslim. Et sur I, ok cool, ça veut dire que je garde la carte Chine jusqu'au bout. Voilà, je vais te demander. On va faire un gros coup au Panama. Nasser puis l'Afrique. Nasser puis Muslim. Contre ça. Allez, une chance sur 3 de prendre l'Inde. Comment ça sentir mauvais pour toi? Pour le coup, sur la fin, je me démerde bien. Et donc, ça commence à sentir très mauvais pour elle. Elle peut pas gagner au DEFCON, je pense. Donc, ouais, honnêtement, il va falloir que je vais blinder l'Europe maintenant. Je vais clairement blinder l'Europe. Je vais blinder la Pologne, notamment. En Haïti pour lui foutre la pression, pour la forcer potentiellement à y aller. Ioris, donc Star Wars. Ah, en fait, il faut que je prenne Flower Power, merde. Ok, ben tu prends ce risque, moi ça me va, oui, c'est ce que j'allais dire, faut que je prenne le Vietnam. Et puis on va protéger la Pologne à balles. Alors vraiment à balles. Je pense que même là, on va la reprotéger.
que c'est à peu près la seule manière dont je me vois perdre. Ok, intéressant. Bon bah ça va être Quagmire, hein. Comme ça je peux faire un coup d'état, puis sur la Libye, ou l'Égypte, non l'Égypte, encore. Pas trop compris, mais bon, c'est vrai qu'à partir de la late war, c'est plus compliqué pour elle. En late war, je déroule. J'aime pas Solidarité, j'ai pas du tout envie de le jouer. C'est clairement une carte que je vais pas jouer. Donc qu'est-ce que je peux jouer du coup? Alors et tout, c'est pas entièrement fini. Hein. Quoique. Non, je peux pas jouer cette carte, elle est beaucoup trop. Ah, mais je joue à China Card. Je joue à China Card donc. J'ai fait mes coups d'état, qu'est-ce que je peux faire de plus? Pas grand-chose, franchement. Il a accès à ça, elle a accès à ça. Cuba, clairement, je peux pas le prendre. Bon ben voilà, comme je disais, le dernier match auquel j'ai joué c'était un match piège pour moi, là c'était un match piège pour mon opposante parce que elle avait un très bon rating et que moi je venais de perdre donc j'avais un moins bon rating. Mais c'est clair que sur la fin elle pouvait pas forcément grand chose j'imagine. Faut que je re-regarde, qu'est-ce que j'avais fait comme... Voilà, début compliqué, premier... les deux premiers tours, heureusement j'ai eu des stalls et elle avait déjà joué des factors, mais sinon mes deux premiers tours c'est pas incroyable. Tour 3, ouais, il est quand même pas mal, il y a des grosses up, mais elle aussi, et elle a ma décolle. Et moi j'ai de nouveau Europe. Par contre, tour, ouais, il est un deux fois quoi, le meilleur defected, comme quoi. Ouais, il est pas ouf ce tour pour elle, c'est vrai. Mais je trouve que Nuclear Subs, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Pour vraiment bien prendre toute l'Afrique. Et là,
Ouais, là par contre, elle a vraiment une main de merde. C'est vraiment une main de merde parce que moi j'ai des grosses op et elle non. Et ensuite, ABM, Asknot. Ah, là, c'est une bonne main pour elle. Colonial, Brajnev. Je me serais pas dit, j'aurais pas du tout, je regardais Asknot. Ah, maintenant elle pouvait pas, mais bon. Ouais, à voir. Là, c'est plutôt une belle main pour elle aussi. Ouais, malgré tout, j'ai sûrement eu des meilleures mains, je dirais. Mais et puis en plus, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud qui revient au tour 8, là, c'est un lifesaver. Hein. Mais je dirais pas non plus que c'était ultra marquant pour moi. Ouais, là, par exemple, elle a de nouveaux brochoirs, elle a Flower Power. Elle a quand même quelques bons trucs aussi, donc c'est pas si simple. Mais bon, c'est une bonne joueuse, elle a bien joué. Quelques petites erreurs, mais pas des trucs majeurs, je trouve, et moi aussi j'en ai fait, donc bon, bref. Curieux de voir ce que vous pensez, vous qui regardez. En tout cas, on commence bien RTSL, tant mieux, merci d'avoir suivi. En plus, j'ai bien augmenté mon rating, et à la prochaine. 1800 piles.